Le passé. Quinon, un port du Vietnam est aux mains des Américains, mais seulement pendant la journée. Le soir, on peut dire que ça devient la jungle. À la tombée de la nuit, l'ennemi peut opérer librement malgré les efforts des Américains et de leurs alliés. Rien ne décourage les soldats de s'aventurer dans ces quartiers malfamés pour essayer d'oublier les horreurs de la guerre. Allez, on va faire quelques petites interviews pour demain. Soldat, qu'est-ce que vous faites en réalité? C'est comme moi. Il est là pour tirer, se beurrer, se faire tatouer. Tirer à s'en faire crever. Voir et baiser, s'éclater, on en fera une chanson. Bon, vous avez quelque chose à dire pour le journal? Très bien. Soldat, qu'est-ce que vous faites là? Je vais acheter un petit cadeau pour ma mère. Comment vous vous appelez et d'où venez-vous? Pauvre demeure et de minable ville USA. Ah, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette ville, hein? Ah, c'est pas vrai. Hey, il est malade, le côté intellectuel, il peut se le brosser. Hey, Mama-san, c'est moi, Valentino. Macready, le beau blond, tu nous avais oublié. Je crois que tu me trompais depuis. Oh, pas moi, Mama-san. Regarde-moi ça. Avoue que je suis ton petit préféré. Waouh, pas tout de suite, Mama-san. Il me faut un bon sauna pour évacuer la boue. Ah, excellente idée, Mama-san. Oui, oui, excellente idée. Mama-san, tu peux préparer un bon sauna pour mes copains. Jack, ce qu'il y a de meilleur pour nos amis. Moi, je veux quelque chose qui tord la cervelle. C'est bizarre, je comprends pas comment elle peut te supporter à ce point-là. Elle m'adore parce que je viens de Chicago. Curtisca, Libertyville. Batesca, à quelques mètres à peine de la frontière mexicaine. Francis Harrod. Trois beaux spécimens, ben c'est vraiment à mourir. Moi, j'étais avec le premier à Shulai. Moi, j'ai fait un stage à Fubai, j'avais un conseiller fêlé. Ouais, le 173, dans le Delta. Ok. Ben, c'est dingue. C'est dingue, vous avez drôlement dû en baver. C'était vraiment pas un truc pour type normand. Alors, t'es fêlé. Bon, moi, je suis venu ici pour redécouvrir la vraie vie. Pourrais peut-être oublier le reste. Moi, ça me va. Ouais, il faut quand même reconnaître que c'est plus sympa ici que d'être en patrouille de nuit et de tomber dans une embuscade. J'avais un bon copain, un autre conseiller. Il est parti en patrouille avant-hier soir, il n'est jamais revenu. Faut qu'on se trouve de meilleures pouliches après ça. Les trois garces sont des coriaces. Pourquoi ça? Elles en prennent de partout pourvu qu'elles consomment. Alors, comment tu t'appelles, bonhomme? Moi, je m'appelle Débile. Et vous savez comment on baptise les enfants dans le coin? Le prêtre sort dans la rue, il balance un coup de pied dans une boîte de conserve et le bruit qu'elle fait devient le nom du petit Ching-Chang. J'ai déjà entendu dire ça. Alors, est-ce que tu vas me montrer le plumard maintenant ou est-ce qu'il faut que je t'offre encore une bassine de thé? Pas de thé, du champagne. Alors, il faut que tu viennes chez moi voir ma maman. Hé, Macready, c'est toi que je cherchais. Ah, cette fois, il m'en faut un gros. J'ai un type qui a débarqué, bardé de diplômes en tout genre, et qui rend malade le sergent. Les hippies lui tapent vraiment sur le système, et je suis prêt à te l'échanger contre n'importe quel bureaucrate qui traîne. Ça te va? Plus tard, Collins, d'accord? D'accord, mon grand, ça me va. Et qu'est-ce que tu veux pour quelqu'un qui tape à la machine? J'ai un porte-drapeau qui paraît super dans le coup. Super, le conseiller. Bravo, dis donc, Macready. Tu sais que t'es un beau pourri. Nous, les paumés du front, on est un peu agacés par les types comme toi qui jouent les petits G.I. Joe. Si tu dégages pas, je te fais sauter les dents devant. Laisse tomber, Siska. Je t'ai pas sonné, le négro. Mais je sais pas ce qui se passe, moi, je comprends pas. Hein. Alors, je pourrais te faire bouffer tes contrats par tous les trous à toi. Attends, j'ai pas fini avec toi, bonhomme. Allez, je vais quand même pas me battre avec toi. Allez,
MacReady, tu ferais mieux d'arrêter pendant que tu n'es pas cassé en deux. Ça va. Ça va, ça va. MacReady, ça va. Et si je ferais à boire à tout le monde? Hein? Très bien. Mamassan apporte une bouteille de pisse de tigre. Je me suis porté volontaire pour le fond. Je parie que le sergent fera une tranche de tous les diables. Tu te traumatises pas, tu rates rien, crois-moi. Et t'es un taré si tu te portes volontaire. Arrête, tu dis n'importe quoi, ça va. Je m'ennuie à mourir. Toute la journée, je remplis des formulaires, je ne supporte plus, moi, cette routine. Tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Moi, je passe tous les jours de ma vie dans un cercueil d'acier. Ballotté dans tous les sens. Il fait 45 degrés dehors et il fait le double à l'intérieur. Chaque secousse me projette contre les parois brûlantes. C'est vraiment l'enfer. Je peux rien voir. J'entends rien. Je sais plus qui je suis ni d'où je viens. Et si un singe te descend, t'es bon pour avoir une étiquette à ton nom sur un tas de cendres. Et tu t'ennuies. T'es encore vraiment plus taré que je le pensais. Mais vous bougez, vous. MacReady, t'es mieux là où tu es. Ah, sûrement, oui. Ça suffit. On est venu pour bouger et se dépenser dans ce trou. Mamassan! Allez, on y va. Allez, le repos du guerrier, tu nous l'envoies? Il faut être très gentil. Moi, petite fille, t'aimes bien Maï? J'aime bien Maï. J'aime beaucoup. C'est pas très brillant. Faudrait peut-être mieux changer, non? Ouais, t'as peut-être raison. Ça va, laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas ma faute. Faut que tu payes. D'accord. C'est pas ma faute. Oui, c'est d'accord. Reviens ici. Encore boum boum? Non, fini pour les boum boum, non. Tu restes allongé. Plus de boum boum, pas couché. S'il te plaît. S'il te plaît, 5 minutes. 10 billets. 10 beaux petits dollars. Viens. Dire que j'ai jamais été tellement porté sur l'alcool. Moi, je tiens pas trop longtemps et je finis vite sous la table. Tiens, ça me rappelle une fois. J'étais allé à un concert de rock avec des copains et on a fini complètement défoncé et j'ai sauté sur la scène et j'ai essayé de pisser sur un des haut-parleurs. Et deux énormes gorilles m'ont empoigné et balancé dans les coulisses. T'as un coup de chance encore. T'aurais pu t'électrocuter. Ça aurait fait une saucisse grillée.
Moi, j'étais tellement imbibé dans le train pour la base que j'ai oublié de descendre à Fort Knox. Ils m'ont balancé du train quelque part en Alabama. Je suis parti en randonnée pendant 3 jours avec des copains de la fac juste avant d'être envoyé au Vietnam. Ils m'ont déposé sur la pelouse devant chez nous. J'étais raide. Je me suis réveillé quand ma pauvre mère essayait de me tirer dans la maison avant que les voisins m'aient vu. C'était la première fois que ma mère me voyait défoncer. C'est pas vrai. J'ai cru qu'elle allait en perdre la voix à hurler. Elle s'est mise à pleurer et je suis devenu tout. Si ma pauvre mère savait que je suis avec des putes, crise cardiaque garantie. Ouais, elle est au courant, il faut pas rêver. Ils savent ce qui se passe ici. Ouais. Ouais, je crois qu'ils savent. Hey, ils ont essayé d'oublier. Comme un père avec sa fille. Il sait qu'elle s'envoie en l'air. Ben, il veut pas qu'on lui rappelle, c'est tout. Ils savent pas la moitié de ce qui se passe ici. Ouais. C'est bizarre, mais je commence à aimer cette boîte. Ouais, sans blague, c'est vrai, je pourrais même rester ici, on est peinard. Et on est au sec. Pas de cafard. Et personne n'est mort ici depuis des heures. Tu crois ça? Tu crois ça? Mais oui. Tu crois que cet endroit est sûr? C'est dingue. Derrière cette porte, il y a des gamins de 8 ans qui sont prêts à t'égorger. Et il y a des Indiens aux yeux bridés qui attendent que t'aies pris une bonne cuite pour planter un. Tous les types qui te tirent tes godasses sont des viettes avec une grenade dans la poche du pantalon. Et les putes, elles te refilent toutes les maladies pourries que tu peux imaginer. Peinard. Tu marches sur des explosifs ici. Pourquoi tu viens ici? Parce qu'il fait moins chaud que dans ma boîte de conserve. C'est pas vrai, j'ai pas le temps de remettre ça. Faut que j'y rejoigne mon unité demain matin. Quelqu'un veut que je le dépose? Francis? Francis? Je retourne pas. On a le temps pour une autre bière. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Je retourne plus là-bas. Non, moi je reste ici. Les flics vont te faire changer d'avis. Ils me trouveront pas. Hé, hey, Francis, tu plaisantes. Je vais me cacher. Complètement fêlé. Il n'a pas l'air si bourré que ça. Thank you.
pas rester ici? Bien sûr que je peux. Non, tu peux pas. Réfléchis deux minutes. Tu te caches de la police militaire aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu vas faire demain? Ben, ça, j'y penserai demain. T'es complètement dingue. Ah, je me tire. Siska, viens, viens, faut pas le laisser ici. Siska! 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 Il est presque la nuit, il faut absolument qu'on le ramène. Je vois pas pourquoi tu dis on. Je vois personne avec toi, t'as quelqu'un dans la poche, à moins que t'attendes un heureux événement. Allez, viens. Aide-moi. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce qu'on est... On est des copains. Non, c'est pas un de mes copains. Il m'a offert un verre, mais c'est pas un copain. Et toi non plus, je peux pas te voir. Écoute, je sais que je suis pas allé au front, alors j'ai pas autant de trucs que vous à raconter à tout le monde, mais... J'y retournerai pas. Je veux plus y remettre les pieds. Je suis fatigué. J'en ai marre de cette pourriture. J'en ai marre des cafards. De la bouffe. De la puanteur. J'en ai plus que marre de traverser des dizaines de marais. Me battre avec des serpents venimeux. D'attendre. Et d'attendre qu'un type me flingue. J'en ai marre de tout. Je voudrais tellement dormir. Francis, si les flics te coincent, tu vas moisir dans une prison de Long Beach, mon vieux. J'aurais pas cette chance. Tiens, voilà. Tiens, c'est pour toi, ça va? À plus tard. Je sais pas si j'aurai le courage, si je tiendrai le coup. Mais comment savoir si j'aurai le courage? Tu veux le savoir? Ton fusil est chargé, je suppose. Oui. Bien. Prends ton flingue et colle-le-toi sous le nez. Mets ton doigt sur la détente. Le cran est mis? Oui. Bien, alors ça y est. Ça file la trouille, hein? Regarde le canon. Regarde dedans. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Cette balle. Imagine que ce soit le doigt de quelqu'un d'autre qui soit sur cette détente. Quelqu'un dont tu sois pas sûr, comme Charlie, tiens. Ou Chuck. Réfléchis bien. T'es en train d'attendre. Voilà à quoi ça ressemble là-bas. Pense-y. Pense-y fort. Qu'est-ce que vous faites là? Dehors! Allez-vous-en! Vous payez la bière! Vous volez Mama San! Il ne partira pas. Il ne veut plus jamais se battre.
On est tous fatigués de se battre. Vous payez pour la bière. Vous partez, tout de suite. C'est pas bien ici pour vous. Il refuse de partir. Il part. Allez. Allez, vous filez. Allez, boost. Allez, va-t'en. Viet Cong. Tirez pas. Tirez pas, pas de mort ici. Qu'on s'en aille d'ici. Ils sont partis. On dirait. Hey, Macready, ça va comme tu veux? J'ai la jambe engourdie, viens, mon style.
Dommage pour Macready. Il n'a pas eu de chance. Cette saleté de guerre, elle vous lâche jamais.